Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace 20, au sommaire de notre JT ce soir. Vous l'avez peut-être aperçu dans l'émission The Voice l'an dernier, ou plus récemment dans La France a un incroyable talent, Marie Beauchelen est l'invitée du grand format de Lionel Augier. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Alors moi je m'appelle Marie. Et moi Lionel. Nous sommes avec Marie Beauchelen et oui, on vient de vous voir dans La France, un incroyable talent. On était sidérés de vous voir chanter comme ça face à ce jury. Pourquoi Marie, vous avez décidé de faire ce concours ? On rappelle que vous êtes alsacienne. Alors oui, tout à fait, je suis alsacienne et j'ai décidé de faire La France, un incroyable talent parce que en fait, je suis une très grande fan de Marianne James. Marianne James qui est donc très connue grâce à son Ultima Recital où elle jouait le rôle de Maria Ulrika von Gloth, que j'ai pu regarder quand j'avais 15 ans. Et là, je me suis dit, en la voyant, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir chanteuse, comédienne, jouer la comédie. Et je me suis dit, je vais postuler pour chanter devant elle, pourquoi pas, et la rencontrer, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. J'ai passé un casting, j'ai réussi ce casting avec mon pianiste Lionel. Et donc, j'ai eu cette occasion-là de pouvoir la rencontrer et de chanter devant elle. Alors, Marianne James vous dit d'ailleurs, hein, tiens, tu fais du lyrique, tu aimes l'humour. C'est ça un petit peu votre univers à vous, Marie ? Tout à fait. Alors, mon univers, c'est un univers assez déjanté, assez original, parce que je ne fais pas que du chant lyrique, je fais aussi de la pop, je joue la comédie, je fais du théâtre, je mélange les styles. C'est vraiment notre truc, en fait, à Audio Malicanto. Donc, je forme un duo avec Lionel Ramos, le duo Audio Malicanto, et notre spécificité justement c'est que c'est un duo lyrico-pop, donc on mélange les styles, le style lyrique opératique avec d'autres styles comme la musique pop par exemple ou le jazz. Alors quel est votre incroyable talent ? Alors on peut dire que mon incroyable talent c'est ma voix et la possibilité justement de chanter un peu toutes sortes de répertoires. Je suis accrochée. Alors, on vous a vu également dans The Voice. Hein. Voilà, cette année, vous avez attaqué tous les concours. Hein. Exactement. Donc, j'ai eu cette chance-là, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire deux télés en une année. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de réussir deux fois le casting. Donc, une fois pour The Voice et une fois pour Incroyable Talent. Alors, chanteuse lyrique, dans la vie aussi professeure de piano. Tout à fait. Alors, je suis professeure de piano et de chant à l'école de musique de Rhino et à l'école de musique de Wittenheim. Comment vous voyez la suite de votre aventure dans La France a un incroyable talent ? Alors pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. C'est parce ça que le problème. C'est un grand secret. Mais on prépare plein de choses avec mon pianiste. On a tout un répertoire à vous présenter et on ne vous en dit pas plus. Donc restez attentifs. Quand on passe le premier tour comme ça, il faut se réinventer. En tout cas, c'est ce que souvent le jury dit. Vous avez travaillé sur quelle piste ? Ça sera ma dernière question. Après, je ne vous embête plus. sur quelle piste vous avez travaillé ? Alors, comme vous avez pu le voir, du coup, on a chanté quelque chose d'assez déjanté parce qu'on a repris donc une chanson de Weshden, Anissa, qui a fait le buzz sur TikTok, donc une chanson urbaine, de musique urbaine, qu'on a remis en mode classique. Et cette fois-ci, on aimerait bien plutôt faire quelque chose dans l'émotion. C'est-à-dire quelque chose vraiment qui puisse émouvoir, qui puisse faire pleurer les gens. Je vous en dis pas plus.